Gaijin! Ah! Tu cherches quelque chose de particulier? Oui, oui, c'est quoi ça? Famicom. Ah ouais? Je vends pas n'importe qui. Famicom vient avec grande responsabilité. Oh, je la prends. C'est bon, je la prends. L'aigle numéro 1 n'est jamais exposé au rayon du soleil. Plastique va perdre couleur. Deux. Jamais laisser toucher à de l'eau. Appareil électrique très fragile. Trois. N'est jamais, jamais nous lire la console après minuit. Vous m'écoutez? Payez comptant ou interlac. Ça y est, j'ai ma toute première console d'importation, la Famicom de Nintendo. Family Computer pour les intimes. La Famicom, en bref, c'est la NES du Japon. Conçue en 1983, elle est à quelques détails près la même chose que la Nintendo Entertainment System, ou NES, qu'on a connue en Amérique du Nord en 1985. Il y a bien sûr quelques différences assez évidentes, dont... Le look gris et noir d'un bord et rouge et crème de l'autre, la taille grosse ou petite, les cartouches grosses ou petites, la manette 1 qui peut faire pause, mais la manette 2 qui peut pas... mais qui a un micro. Le bouton d'éjection ajouté par le designer de la console Masayuki Uemura parce qu'il pensait que ça allait amuser les enfants. Les manettes sont attachées directement à la console, donc pas de rallonge. Et surtout, la courte longueur du fil des manettes qui fait que tu vas jouer collé à ton écran. À l'époque, la taille des écrans de télévision et la grandeur moyenne d'un logement au Japon justifient cette série de choix qui apparaissent vraiment étranges pour un Québécois en 2013. De toute façon, si tu veux un fil plus long pour ta manette... commande-toi une Joy-Card de Hudson. En plus d'offrir un pied de fil de plus, elle est turbo. Il existe plein de jeux qui ont été publiés sur la Famicom au Japon, mais pas sur la NES en Amérique du Nord. Ça donne bien, j'en possède une coupe. Les cartouches de jeux japonaises sont beaucoup plus colorées que leurs homologues nord-américaines. Ça peut surprendre. La Famicom sera discontinuée au Japon en 2003, ce qui lui confère tout de même la plus longue durée de vie de production qu'aucune autre console sur le marché. Mais, assez parlé de la console, j'ai envie qu'on commence à jouer à des jeux. Aujourd'hui donc, on démarre la série avec un jeu à la thématique un brin horreur, j'ai nommé Yokai Kurabu. C'est l'heure, je joue le jeu. Yokai Kurabu, ou si vous préférez, le Club des Spectres, a été publié par Jaleco le 19 mai 1987. La même compagnie nous avait offert Exerion, Earth Defense Force et Tough Enough. Pour ces jeux Super NES, Jaleco avait une intro pas mal cool quand on partait la console, si bien qu'elle est restée gravée dans ma mémoire. Jaleco. La pochette de jeu nous présente un androgyne aux petites hanches, sur le bord de mettre la main sur un crâne, pendant qu'il est poursuivi par un tigre en feu, un démon licorne bleu, une plante carnivore qui propulse sa propre tête coupée et une chauve-souris en retard. Le tout sous l'œil attentif d'un géant apeuré qui porte du mascara. C'est comme waouh, ma vie est vraiment plate comparée à cette pochette-là. En fait, moi j'ai vraiment juste l'œil géant qui me regarde. Le héros, Akira, est un gars pas mal cool qui écoute sans doute du Michael Jackson, avec de l'eau dans la cave, non mais regardez les pantalons, et il a une réserve infinie de couteaux, c'est même pas drôle. Mais j'ai pas de couteau, comment je vais faire? Tiens, man. Hey, merci.
Hey man, t'as oublié ton couteau? Non man, garde-le. En plus des couteaux pour attaquer, si tu réussis à remplir ta barre d'expérience en ramassant assez de boules rouges et de boîtes blanches laissées par tes ennemis, tu peux augmenter la force de tes attaques. Tu perds ton progrès sur ta barre d'expérience si tu meurs une fois, ce qui te pousse et te récompense à bien jouer en même temps. Ouais, c'est brillant. En passant, quelle arme est niveau 2, donc plus forte que le couteau? Je vous laisse deviner. La rondelle d'oignon, bien sûr. Hey, hey, oh, oh, hey! Freeze! Lâche la rondelle! J'ai dit lâche ton arme! Oh mon dieu, il va se tuer! Des armes à usage limité sont également mises à ta disposition, telles que... Des bombes. Des lunettes. Un doigt accusateur. Et bien sûr, la lampe de poche, qui n'est rien d'autre en fait qu'un test de dépistage pour l'épilepsie. Mais il y a un détail que je trouve bizarre aussi. Dans la plupart des jeux, mourir donne ce son-là. Alors pourquoi utiliser le même son dans Yokai Kurabu, mais pour entrer dans une porte? Comprends pas. Oh! Bon, ben moi, je vais rentrer. Alright. Un autre cadre de porte! Donc toi, joueur rétro, tu auras remarqué assez rapidement, Yokai Kurabu s'inspire très fortement du classique de Konami, Castlevania. Des fois même, il l'imite. Les ennemis sont facilement reconnaissables. On retrouve dans Yokai Kurabu l'équivalent des chauves-souris, des colonnes d'ossements, des têtes de méduses, et même la grande faucheuse. Heureusement, le jeu offre des ennemis originaux tirés de la mythologie japonaise, mais qu'on peut retrouver au Québec quand même, comme des poissons en train de mourir hors de l'eau, la tête à Wilfrid Laurier, puis la folle qui pitche des assiettes. Non mais, faudrait qu'on parle, juste, on va juste jaser, ok? On va... Fine! Les derniers niveaux nous présentent enfin les adversaires tirés de nos propres mythologies et films d'horreur, tels la sorcière, le blob et le clown, bien sûr. Les décors aussi sont pas toujours super réussis, par exemple. Ben, le niveau 2, par exemple, qui se passe dans mon estomac, je pense, avec mes boyaux et mes... ouais, c'est ça. Et plus tard, le décor d'un niveau ressemble au local de la ligne en fête. Ben, c'est pas des parts, ça. Étrangement, plus on avance dans le jeu, mieux sont les graphismes. C'est comme si tout l'effort de création avait été mis dans la seconde partie du jeu. C'est étrange. Et ça, c'est sans parler des mots de passe incompréhensibles qu'on donne à la fin des niveaux, puis qui se lisent comme... des cris de guerre. Mais dans le fond, là, je me plains pour pas grand-chose, parce que le jeu en soi est assez bon. Les graphismes sont peut-être un peu trop colorés pour le thème horreur du jeu, mais les musiques sont excellentes, même s'il y en a peu, et qu'elles finissent donc par se répéter. Certains niveaux sont assez originaux, le niveau de difficulté est parfaitement balancé. Souvent, on te donne un power-up juste avant de rencontrer un nouveau type de monstre puissant, par exemple. Et le papillon qui te tue, quand tu es time over, tu peux l'éviter pendant un certain temps si t'es vraiment bon. Mon verdict? Yokai Kurabu est un bon jeu, mais il est méconnu en dehors du Japon. On sent qu'il y a place à l'amélioration, et c'est dommage que le jeu soit pas devenu une série, parce qu'il suffirait dans le fond juste d'une suite bien réfléchie pour régler les quelques problèmes dont il souffre. Si tu veux y jouer, il n'y a pas vraiment de moyen de le faire, sauf si tu l'achètes en importation. Heureusement, c'est un jeu qui coûte pas trop cher, donc voilà pour les collectionneurs. Mais c'est un jeu qui est généralement oublié, puis qui n'a pas été réédité, puis qui n'est jamais disponible sur les marchés virtuels, donc... Je le recommande cependant aux fans de Castlevania qui ont tout joué puis qui voudraient avoir un défi similaire. Puis peut-être aussi aux... Je le recommande aussi aux gens qui aiment avoir des chandails pas de manches.